Pour les Français, et je crois que vous le savez, l'Allemagne fédérale est un sujet fascinant et compliqué, spécialement après les semaines tragiques que votre pays vient de traverser. Je peux dire que nous les avons vécues et suivies en France au même rythme, avec le même intérêt, sinon avec la même passion. Il faut prendre au sérieux toutes les menaces de terroristes. Est-ce que vous pensez avoir réussi, déjà, si ce n'est pas trop tôt, à démanteler les réseaux terroristes allemands? Et même, est-ce possible? Que nous avons un excellent aperçu des personnes qui sont à l'origine de ces crimes. Nous les connaissons. Nous connaissons également toute une série de personnes qui ont trempé là-dedans. Et finalement, c'est uniquement question de temps que de leur mettre la main au collet, soit sur le sol allemand, soit sur le sol d'État voisin. C'est question de temps pour les voir aux mains de la police, pour être ainsi soumis à la justice. Thank you.
sympathisants. En fait, monsieur Duhamel, je ne peux souffrir le mot sympathisant qui manque un peu de netteté. Parce que la sympathie, on peut en témoigner à l'égard de criminels qui, en raison de situations fortuites ou de défaillances personnelles, sont amenés à commettre un crime et qui sont condamnés et qui sont en prison. On peut ressentir une certaine compassion envers à leur égard, mais la sympathie, ça peut également signifier